Poussé par une irrésistible envie de découvrir le monde, l'homme des cavernes qu'on nommera Bernard décide de sortir à l'air libre. Le soleil est au plus haut dans le ciel et sa douce chaleur vient réchauffer la peau de Bernard. Une peau fragile, peu habituée aux rayons UV. Égare au coup de soleil, Bernard. Bernard découvre le monde extérieur et sa nature pour la première fois. Submergé par les émotions, il se laisse guider par son instinct. On reconnaît ici un réflexe humain encore bien ancré dans nos esprits de nos jours. L'alimentation de base de l'homme des cavernes se compose de bacon et de cailloux. Lorsqu'il est confronté au monde extérieur, Platon dit que l'homme des cavernes perd tout repère, panique et ne peut supporter l'immensité des diverses solutions qui s'offrent à lui. C'est le cas ici pour Bernard. Bernard vient de découvrir l'outil. Il s'est fabriqué une hache, certainement pour couper du bois et se construire une maison. Visiblement, Bernard est un créatif. Les valeurs esthétiques et artistiques sont très importantes pour l'humain. Elles expriment sa sensibilité et ses idées. Bernard montre ici à tous sa joie d'être un homosexuel totalement assumé. Bernard a le goût de l'aventure. Malheureusement, Bernard a aussi des problèmes psychomoteurs. Un héritage de ses ancêtres qui pratiquaient l'accouplement consanguin de façon effrénée. De ce fait, Bernard a du mal à se repérer dans l'espace et manque de discernement lorsqu'il s'agit d'évaluer un danger. L'agriculture est apparue il y a environ 100 000 ans. Bernard n'en est pas l'instigateur. Avant l'invention de la roue, l'humain primitif a dû trouver des moyens de transport à la fois pratiques et durables. Encore une fois, Bernard n'a pas participé au progrès technique de cette époque. Lorsqu'il souffrait de maladies, les hommes de l'âge de pierre se soignaient avec des plantes et des champignons divers. Quant à Bernard, il aime simplement les paradis artificiels.